cette signature entre deux institutions, qui sont deux établissements publics, l'ONCF et l'ONMT, vient pour faire jouer les synergies de ces deux institutions, de manière à faire valoir l'expertise de l'ONMT pour tout ce qui est marketing, le produit touristique marocain, et aussi l'ONCF, tout le savoir-faire de l'ONCF en ce qui concerne l'élaboration et le développement des produits de voyage adaptés. Et ce qui est recherché, c'est accompagner le secteur touristique. À ce moment, il vient de passer des moments difficiles, de manière à pouvoir faciliter l'accès aux produits touristiques, que ce soit aux Marocains du monde, que ce soit aux Marocains résidents au Maroc. Et là, ça permet aussi le moment d'être un peu dans les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour faciliter l'accès aux Marocains du monde au pays. Et aussi, ces produits sont destinés pour l'ensemble des Marocains, de manière à pouvoir aussi aider le secteur touristique pour rebondir après cette période difficile de Covid. Proposer des offres, c'est-à-dire pour ce qui est des billets individuels, il y a 350 000 billets allant de 49 dirhams jusqu'à 99 dirhams, valables dans les trains Atlas et dans le Borak, et c'est qui porte le nom Yalla Tlaqaou Bledna. Et aussi, il y a des cartes Tlaqaou Bledna qui donnent une réduction de 30% pour le Borak et 50% pour les trains Atlas. Et là, ça concerne des groupes à partir de 2 personnes jusqu'à 5 personnes, et c'est destiné pour les familles et pour les groupes. Nous sommes aujourd'hui extrêmement contents et heureux, en tant qu'Office national marocain de tourisme, de voir une grande institution publique se joindre à nous dans le cadre de la promotion de tourisme national, qui est l'ONCF. Et aujourd'hui, nos deux institutions publiques se mettent en commun leur savoir-faire, chacun dans son domaine, la promotion touristique et la mobilité, pour répondre aux besoins du moment, qui est d'assister la campagne de tourisme national que nous menons cet été. Et cette opération vient répondre à les instructions de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu le préserve, pour faciliter l'accès aux produits touristiques pour notre communauté marocaine vivant à l'étranger. Et ça consiste en la mise en place d'une action commune entre l'Office du tourisme et l'ONCF, avec la mise en place de 350 000 billets sous l'égide de la marque Tlaqaou Bledna, et aussi d'une carte de réduction spéciale. Et ce qui nous réjouit spécialement, c'est de voir comment cette marque, qui est destinée aux citoyens pour la promotion du tourisme national, aujourd'hui arrive à vivre et arrive à se matérialiser dans un univers aussi important et aussi accessible à l'ensemble des Marocains, qui est le domaine ferroviaire. Et donc aujourd'hui, cette opération pour nous est une de bonne augure pour une saison estivale de tourisme national qui va être à la hauteur des attentes et à la hauteur aussi des attentes du secteur, mais aussi, et on le disait tout à l'heure, c'est une nouvelle ère dans la collaboration. On le voit des fois public-privé, mais collaboration public-public, dans laquelle les institutions se mettent ensemble pour que chacun apporte son savoir-faire au service du citoyen.